Bon matin! On est rendu mardi le 14 mai. Cathy a encore bien dormi. On est rendu à 8 jours en ligne. C'est ça, c'est toujours avec son médicament, mais c'est ça de gagner. Puis, c'est ça. Puis à part ça, aujourd'hui, ben, il fait pas beau. En tout cas, c'est plat de voir la température, il mouille, c'est pas chaud. Là, je vais aller conduire Lucas à l'arrêt ce matin. Fait que je vais aller prendre une petite marche avec Lucas pour aller le reconduire. Cathy a super déjeuné. Elle a tout mangé son plat de céréales, c'est super, je suis même contente. Mais là, son bouton est encore là. Là, on dirait que là, je le check, je suis toute stressée, là, il va dessus. Tu sais, la première semaine, il a fait comme un bouton prêt à péter. La semaine passée, on dirait qu'il restait stable, on dirait qu'il était même sur le bord de partir. Puis là, on dirait qu'il n'y a pas de problème, mais on dirait que c'est temps. Mais je sais qu'elle a déjà eu ce bouton-là derrière sa cuisse, ça me fait vraiment penser à ça. Puis finalement, il n'y avait rien à faire à part de le laisser, ça a duré quelques semaines. Puis là, à ce temps, on voit comme une petite cicatrisation. Tu sais, on voit comme. Ça paraît dans la peau qu'elle a eu ce bouton-là, dans le fond, là. Mais je l'avais pété, par exemple. J'avais joué après dans le temps, là. Puis ça, ça a fait méchant en bout, là. Ça doit faire 2 ans, de ça. 2, c'est pas 3. Les années passent vite. Fait que là, c'est ça, là. Mais tu sais, ça m'inquiète quand même, là. Je me demande quel bord ça va prendre. Tu sais, faudrait-tu aller à l'hôpital ou. Mais en tout cas, Nika, il y a rendez-vous chez la pédiatre la semaine prochaine. Au pire, je vais. Entre-temps, je vais peut-être appeler la pédiatre ou je vais prendre une photo puis je vais essayer de lui montrer chez la pédiatre la semaine prochaine quand on va y aller avec Lucas. Je vais voir, là, mais. Ah, c'est ça. Fait que je vous tiens au courant. Mais aujourd'hui, je prends ce mollo. Je suis vraiment encore fatiguée. Je pense que mes menstruations s'en viennent parce que ça fait 3 jours que j'ai full mal au ventre. Mon ventre est full enflé. Puis dans ça, là, je dors vraiment pas bien non plus quand avant mes menstruations. Fait que j'espère que c'est vraiment mes menstruations qui s'en viennent, là, parce que. En tout cas, que je vous souhaite une belle journée. On se reparle. Bye. Coucou. Voilà Katia ce matin. Elle fait avec mes fleurs. Oh, tu es vite avec mes fleurs. Tu es belle. Comment ça va, Katou? Comment ça va? Peux-tu m'en mettre de la musique? T'aimerais-tu écouter de la musique? On va en mettre. On va en mettre. OK? Tu es belle. C'est bien, on met de la musique à Katou. Là, je suis intéressée à essayer de vous montrer son bouton. Voir ce que vous en pensez. Oui. Oui. Je sais pas, vous voyez pas. Hein? Oui, on le voit, regardez. En tout cas, ça fait que je l'ai. Tu me donnais la main. Je sais pas, ça va être ta devoir. J'aimerais essayer de montrer mieux, mais. C'est ça. Avec Katou. Regarde. Ouais. Mais quand j'y pense, ça fait 2 ans, c'est vrai. Parce que quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, j'en parlais de ce bouton-là. Je pense que je vais aller voir des anciennes vidéos pour voir si ça ressemble vraiment au même bouton. Hein? C'est ça qui est le fun, faire des vidéos. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais essayer d'aller rechercher cette vidéo-là. Je vais comparer. Je me rappelle, je vous l'avais filmé aussi il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, il y avait moins de monde qui me suivait, là. Mais, ouais. Mais je sais pas si ça a eu le temps de voir un peu à quoi ça ressemblait. Salut! J'avance bien. Je me suis lavé les cheveux. Puis là, j'ai fait une soupe pour venir, une crème de carotte. Puis il va y en avoir pour Lulu pour souper. Et vous voyez pas bien à quoi ça allait. Puis là, mon lave-vaisselle vient de finir, il va falloir que je le vide. Je vais faire ça. Puis j'ai fait mon lavage, j'ai deux brassées à les plier. Puis c'est ça, j'ai ces deux brassées, j'ai ça, c'est déjà à plier. Mais voyons, ouais, j'ai tout ça à plier, je vais refaire ça assez vite. Puis je vais me coucher après-midi. Je veux vraiment me coucher cet après-midi, là. Je suis fatiguée, là. J'ai besoin de me coucher. Puis, c'est ça, c'est pas. Je voulais aller me faire couper les cheveux, mais là, il pleut. Puis, il faut que je descende à pied. Puis, je vais essayer d'attendre à demain, en espérant que demain, ça soit mieux. Parce que là, je m'endure pas. Je m'endure plus, là, les cheveux, mon toupette, là. Je regrette de pas l'avoir fait couper. Fait que, j'aimerais ça y aller avant la fin de semaine, c'est sûr. Puis, c'est ça que je vais vous dire! C'est ça, j'avais oublié! On va avoir un mariage! Mais oui, on va avoir un mariage cet été. C'est mon frère qui se marie. Ben, tu sais, chaque année, on nous invite à son épluchette. Fait toujours une épluchette de blé d'Inde. Puis là,
Puis là, il a décidé de se marier. Fait que... Regardez. Regardez la belle invitation. C'est le fun. Fait que... Fait que ça, on va avoir un beau mariage cet été. C'est le 31 août. Puis en plus, ça va être en plein air. Là, faut espérer qu'il fasse beau, là. Mais oh, ça, c'est le fun. C'est ça, on n'a plus souvent de mariage. Fait que j'étais vraiment contente. Je leur souhaite... Ben, c'est ça, j'en souhaite beaucoup de bonheur, mais tu sais, ils restent déjà ensemble, tout va bien. C'est une, dans le fond, mon chum, c'est une famille. Voyons, mon frère, là, ce matin, c'est une famille recomposée, mais ça fait. Combien de temps qu'il était avec Julie? Ça fait. Au moins 10 ans. Attends un peu. Ouais. Ça fait au moins 10 ans. Mais sans, je me trompe pas, même si c'est pas plus, peut-être 11. Fait que c'est ça, excellent! Un beau mariage. Puis c'est ça, mais mon chum. Pourquoi je dis tout le temps mon chum? Mon chum pense à moi. Mon frère, il veut que ça soit simple quand même. Tu sais, que dans le fond, il veut que ça demeure simple. Là. Puis là, dans le fond, c'est un célébrant qui va venir faire qui va venir dire le mariage, dans le fond. Parce que là, mon frère ne peut pas se remarier à l'église. Fait que c'est ça. Ben Julie, elle s'est jamais mariée, puis c'était son rêve. Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'elle va pouvoir réaliser son rêve, puis c'est beau de les voir ensemble. Fait que c'est ça. C'est ça que je vais vous dire. Que mariage cet été! Bon, ben, c'est ça, Nick, qui vient de m'appeler. Ben là, il est rendu 2 heures. J'ai pris du linge serré, j'ai essayé de me reposer un peu, mais finalement, je me suis pas reposée parce que j'ai des téléphones. Ben, c'est Nick qui m'a appelé. Puis, il vient de faire un test de... Ben, au cégep, un examen au cégep, là. Puis, il dit qu'il est parti 40 minutes après l'examen, puis tout de suite après, le prof l'avait corrigé, puis il a envoyé la note, il a eu 95. Fait que c'est le dernier examen de ce cours-là. Fait qu'il a passé, je me rappelle plus le nom du cours, faut que je demande. En tout cas, fait que j'étais contente, je suis fière de Nick, parce que, tu sais, Nick, c'est dur pour lui de rester, comment je dirais ça, donc, motivé, puis tout ça, fait qu'il va réussir, en tout cas. J'ai hâte de voir toute sa session, mais au moins ce cours-là, il l'a passé, ça faut se dire. Puis là, je sais pas, je l'avais dit, je pense que ça va monter à Montréal aujourd'hui. Il montait à Montréal, elle puis John montait à Montréal, puis là, ils vont redescendre Pam à soir à Québec. Ils vont rester à Québec, puis demain, ils passent la journée à Québec, puis après ça, ils vont revenir demain soir. Fait que aujourd'hui, je voulais aller au Vieux-Port, mais là, il fait pas beau, je sais pas s'ils vont y aller pareil. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. Fait que Pam, elle allait rencontrer la faculté aujourd'hui aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle voulait qu'elle remonte, il fallait qu'elle voit rencontrer la faculté, parce que comme elle a lâché ses stages. Mais finalement, c'est vraiment le fun, parce qu'il dit laisse l'été pour y penser. Puis, dans le fond, il va falloir qu'elle refasse ses stages comme l'été, à la fin de la session de l'année prochaine. Puis l'autre stage, en tout cas, elle va pouvoir décaler là, ses stages pareil. Fait que c'est vraiment le fun, mais ça veut pas encore dire qu'elle va retourner. Mais au moins, elle a le temps d'y penser comme faut. C'est ça que je trouve hot. Avoir le temps de réfléchir. Fait que ça va bien. Fait que là, je vais aller continuer. Je vais faire des biscuits. Je vais aller porter le linge d'année dans le cave. Je vais faire des biscuits. Puis c'est ça. Fait que je voulais juste vous partager ça. J'étais contente. C'est ça, c'est vrai. J'ai un téléphone à faire aussi. Faut que j'appelle à Québec ou. Où ce que Katia, dans le fond, nous autres, Katia vient à Beauceville pour ses orthèses. Mais eux autres, c'est à Québec. C'est, dans le fond, leur centre est à Québec. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent qu'une fois 3 semaines ici, dans le fond. Là. Puis là, ben, il faut que j'appelle là-bas à Québec pour payer la facture par carte de crédit pour que les autres, après, m'envoient la facture puis c'est marqué payé, qu'on puisse réclamer aux assurances. Fait que là, il faut que je m'occupe de ça cet après-midi. Je vais faire ça aussi, là. Fait que, la journée passe vite, même si c'est pas beau, là. On a pas peut-être s'ennuyer. C'est ça, c'est vrai, je voulais vous dire, hier, mon chum est allé marcher, j'étais contente. En ce sens, ça a fait tellement bien de partir pour aller marcher, Nick a gardé. Mais là, c'est ça, c'est plate, hein. J'ai oublié de vous dire aussi, Nick a rendez-vous, il avait rendez-vous normalement pour ses pneus. Aujourd'hui. Mais là, comme il n'y a pas de clip, il peut pas se rendre, ben, il va falloir qu'il cancelle son rendez-vous. C'est plate parce que ça faisait un bout qu'il avait pris. Je pense qu'il l'avait pris au début mai, tu sais. Fait que ça, c'est bien plate. Mais sauf qu'il peut se promener par avec ses pneus, il n'y a pas des tailleurs à clous, là. Il reste que ça aurait été fil. Fait que là, il va falloir qu'il reprenne son rendez-vous. Mais en tout cas, il va avoir plus de temps, là, à l'école, à la chèvre. Très, très, très bientôt. Je pense que son dernier examen, il est le 22 au matin. Fait qu'après, il a fini sa session.
je suis vraiment contente. J'ai fait mes galettes, je vais les sortir. Fait que là, on va une bonne collation. J'ai fait la recette d'eau finalement parce que je me suis mêlée. C'était un quart de tasse d'olive, j'avais mis une demi-tasse. Fait que là, j'ai voulu toutefois que je rajoute des ingrédients. Fait que j'ai fait double, tant qu'à être là-dedans, c'est sûr c'est mieux d'en faire double. Là, j'avais assez, fait que je vais essayer d'offre tout ça. Parce que normalement, ça en fait juste 12. Fait que là, je vais aller, je pense, dehors, attendre les cas à l'arrêt. J'allais prendre l'air, mais je suis vraiment fière, hein. J'ai fait du ménage. Et... ah, ça fait du bien d'une journée comme ça. J'ai ressorti mes petits perroquets qui retiennent les portes. C'était temps de les ressortir, là. Il y a là. Cato est revenue! Elle a eu une belle journée! Elle veut fouiller dans son sac! Qu'est-ce qu'elle a dans ton sac? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Ta boîte à lunch? Ah oui, ta boîte à lunch est là! Oui. C'est un carré car, on a juste soupé! Puis c'est ça, j'avais fait... j'avais un reste de riz. J'avais du poulet assaisonné. À la boucherie, là, avec du piment et tout. J'ai mis tout mélangé ça ensemble, ça fait un bon repas. Katia, elle va avoir sa lunch jamais. J'ai mis son petit lunch de côté. Puis, là, c'est ça, je ramasse tout ça, puis après ça, ça va en auto prendre une veille. Mais je vais aller chercher un cadeau à Sam à quelque part, là. Je vais aller chercher un cadeau, fait qu'on va faire ça, puis j'ai lancé à l'autre que chercher du fromage en crème, puis tout ça. J'ai le goût de sortir un peu. Je suis contente de ma journée, mais là, j'ai besoin de charger les idées. Puis Nick, moi, t'es là sur le logement. Je l'ai pas vu encore. Okay, il va falloir vraiment qu'il paye un remorquage, là, parce que là, c'est plate, là, pas de char. Salut! On arrive d'aller faire des commissions! On est allé au TGA. Regardez, j'ai trouvé une belle robe à Katia à 5 piastres. Une vraie joke. 5 piastres au moins. La robe à 5 piastres! C'est belle, hein? Regardez, 5 piastres. C'est pas juste qu'elle va faire, mais ça devrait 14-16, ça devrait y faire. J'ai vu la petite robe! Tu veux la petite robe pour toi? Tu t'en fous, hein? Et on est allé acheter du fromage. Toutes les sortes. Salé, en grains, en bleuet, puis des macarons. Hey, c'est ça, au Tic-Géant, là, j'ai vu plein de maillots, par exemple. Ah! Oh, là, j'avais pas le temps de les essayer parce que les enfants piniques attendaient dans l'auto. Mais je lui ai dit, Pam, elle va être là. Fait, je vais commencer à retourner avec. Pour que j'aie le temps de l'essayer parce que ça, je me rachète un nouveau maillot. Puis au Tic-Géant, les prix sont de l'allure. Ils ont de l'allure. Mais tu sais, je vais l'essayer avant, c'est sûr, parce que c'est pas échangeable. C'est pas tournable, mon maillot. Puis j'ai une carte cadeau à ma fête, je pense 25$, fait que je pourrais dépenser là-dessus. Je vais essayer de y retourner jeudi avec Pam. Hein? Finalement, elle a trop de cute, ta robe! Ça va être un gâteau, ça! Oui. Quand il y a des beaux flamants roses dessus, des popsicles. Oh! Oh, tu t'as plein de pas que ces gens! On fait-tu des coucou à Katia? Hey, au gâteau! Hey, au gâteau! Coucou! Encore! On fait des coucou! Hey, au gâteau! Coucou! Mmh. Et où qu'est-ce que tu as? Coucou! Coucou encore! Coucou! Coucou! Encore! Et où qu'est-ce que tu as? Coucou! Encore! Et où qu'est-ce que tu as? Coucou! Coucou! C'est bon, j'ai la cachette! Et où qu'est-ce que tu as? Et où Katia? Coucou! Il est bien.
à maman. Fais des coucou encore à maman. Allez, tire sur la jaquette. Oui, bravo! Coucou! Mmh. Fais du temps à maman, tu te fais gobelet? Ouais. Tiens, c'est son médicament pour dormir. On enlève-tu la bouille? Maman trop coquine, ça donnerait à garder pour dormir, hein? Bonne nuit, Katia. Bye, Katia. Katia, bonne nuit. Bonne nuit. Je sais pas pourquoi elle a décidé de mettre son matelas à terre. Il va falloir que je lui demande demain. Il a torsé son matelas. Il a mis ça à terre. Je comprends pas.